Ah, donc, on va procéder à des questions-réponses. Et puis, euh, nous vous invitons, euh, si vous le pouvez, à prendre vos Bibles avec vous. Et euh, voilà, pour euh, éventuellement nous appeler en direct et nous poser vos questions. Voilà, donc on va commencer avec euh, André. Donc, euh, voilà, il y a quelques questions. Ok. Donc, euh, la première question, c'est une question dont beaucoup de, de, de chrétiens s'interrogent. De chrétiens et de non-chrétiens, même d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est au sujet de. La différence entre l'enfer et le lac de feu. Mmh. Voilà. La différence entre l'enfer et le lac de feu. Est-ce que, je ne sais pas si tu peux nous éclairer, éclairer aussi ceux qui nous écoutent, euh, tous les auditeurs qui peuvent nous écouter en ce moment. OK. Quelle est la différence entre l'enfer et le lac de feu Est-ce que l'enfer est-il ouvert Est-ce que le lac de, de feu est-il ouvert Et euh, ça, c'est une bonne question, André, parce que et, euh, tu sais que le Seigneur... Qui est souverain, a eu à, à faire visiter à certaines personnes euh, l'enfer et, euh, et également le lac de feu. Et, euh, alors, il y en a qui se sont levés pour dire Mais non, euh, l'enfer n'est pas encore ouvert, n'est pas encore opérationnel, ni le, le lac de feu. Alors, comment euh, vous pouvez euh, dire que vous avez été visiter l'enfer, tout ça Donc, c'est complètement diabolique. Alors, euh, nous voulons. Bien aimé à la lumière de la parole, éclairez ceux et celles qui euh, sont à la poursuite de la vérité. Voilà, donc il euh, y a une seule vérité. La vérité est immuable. Alors, ouvrons nos Bibles, allons dans le livre de Somme 116. Et, euh, et euh, 110, pardon. Somme 110. Voilà. Donc. Euh, et euh, voilà, donc euh, que Dieu soit béni. Nous allons lire à partir du verset premier. Hein, si André peut nous le lire. Alors, je lis au nom de Jésus Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Ok, le... okay. donc gloire à Dieu. On peut s'arrêter là et euh, on va lire un autre passage dans Somme, Somme 116. Du verset premier au verset, euh, n'est-ce pas, euh, 7. Somme 116, verset premier au verset 7. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. Mmh. J'étais en proie à la détresse et à la douleur mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô oh, Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mmh. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Mmh. Tu peux continuer, même. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Mm -hmm. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien heureux. Je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Okay. Oui, tu vois, le psaume 110 nous parle de la résurrection du Messie. Donc, euh, l'Éternel m'a dit "Assis-toi à ma droite." Donc, euh, là, c'était après la mort du Messie. En fait, pour répondre à, correctement à cette question, donc, euh, à savoir quelle est la différence entre l'enfer et, le, et, et, euh, et le lac de feu, où vont notamment les, 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 les gens qui meurent, donc les chrétiens comme les païens. Alors, nous allons euh, nous baser sur d'abord le Messie, qui est notre exemple le plus parfait. Donc, euh, on voit dans Somme 116 ici que le Seigneur disait au verset 3. Donc, psaume 116, 3, il est question bien sûr de la mort du Messie. Hein, donc, euh, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. N'est-ce pas? Et, euh, et quelque part, le Seigneur dit euh, euh, que tu n'abandonneras pas mon âme, euh, euh, tu ne laisseras pas mon âme connaître la corruption hein, dans le séjour des morts. Donc, là, ici, oh, on voit le terme séjour des morts. En, en, en hébreu, c'est Sheol. Hein, sheol, et, euh, qui donne en français, justement, séjour de mort. Voilà, donc et, euh, donc, on comprend que lorsque, euh, avant, avant la grâce, mm -hmm. lorsque les gens mouraient, ils allaient dans le séjour de mort. Et on peut lire encore Bacuque euh, euh, chapitre 2, le verset 5, si tu peux, s'il te plaît, nous lire euh, euh, cela. Voilà, Abacuc chapitre 2, le verset. Euh, euh, voilà. Abacuc 2, euh, verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort. Ok, il... on peut lire encore Nombre 16, 33. Nombre 16, 33. nombre 16, verset 33. Il descendit vivant dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et il disparut du milieu de l'assemblée. Oui, lorsque Dieu va frapper ici la, la, la légende de la révolte de Corée, dans Nombre 16, on nous dit que ceux qui avaient suivi Corée dans sa rébellion vont descendre vivants dans le séjour de mort, n'est-ce pas Donc on voit que sous la grâce et euh, avant la grâce pardon tout ceux qui mouraient se retrouvait dans le séjour de mort comme Nombre 16 également le dit et euh, donc avant la grâce, le séjour des morts était séparé en deux il y a une partie et euh, qui était euh, réservée aux, aux, aux incroyants c'était un lieu de tourment et il y a une autre partie qui était réservée aux, aux, aux croyants, qu'on appelait justement le Saint d'Abraham, n'est-ce pas Et euh, donc, le Saint d'Abraham. Maintenant, euh, dans le Nouveau Testament, nous allons dans le livre de, de Luc, Luc chapitre 16. Nous sommes dans Luc chapitre 16, nous lisons une histoire que beaucoup de gens connaissent, à partir du verset 19. Alors je tiens à signaler que l'histoire que nous allons lire n'a rien à voir avec une parabole, parce que euh, les paraboles, dans les paraboles, le Seigneur ne cite aucun nom. Vous pouvez vérifier, mes amis, euh, que toutes les paraboles que le Seigneur nous a données euh, 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 ne portent aucun nom, n'est-ce pas? Donc alors qu'ici il est question euh, de Lazare euh, et du, de l'homme riche. Donc on a bien cité le nom de Lazare. Donc ce n'était pas une parabole. Quand bien même ce serait une parabole, et euh, les paraboles nous enseignent sur les réalités spirituelles. Donc euh, ça fait partie de la parole bien sûr. Alors nous sommes dans Luc chapitre 16, nous lisons à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux. De se rassasier des miettes qui tombaient à la, de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Vous voyez la différence ici. Le pauvre, donc Lazare va mourir, André. On nous dit qu'il va être porté par les anges au sein d'Abraham, n'est-ce pas Donc il va être transporté au sein d'Abraham, et, euh, et euh, donc c'est l'image du paradis. Bien sûr. Et puis, euh, euh, le riche va mourir à son tour. Et, euh, et qu'est-ce qui va se passer Il va être enseveli, c'est-à-dire enterré. N'est-ce pas Donc, on voit bien qu'il y a deux endroits bien distincts. Il y en a un qui est réservé aux, aux chrétiens, aux croyants. Et euh, ils sont portés, n'est-ce pas, jusqu'à cet endroit-là par les anges. Et euh, donc, c'est un endroit euh, qui est, euh, comment dire, euh, au-dessus de nous. Et puis euh, 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 l'endroit où vont les incroyants euh, se trouve en dessous. N'est-ce pas Donc nous sommes dans un, ici dans, dans, dans une sphère spirituelle, hein, dans un domaine spirituel. Et on nous dit que verset 23 de Luc 16, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc vous voyez bien que euh, Lazare était au-dessus de lui, n'est-ce pas Et lui, il est en dessous. Donc euh, et, euh, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Et Lazare dans son sein. Il cria, Père Abraham, épite de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as eu, tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est pour qu'il leur euh, le riche dit Je, le, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour leur, hein, c'est pour qu'il leur, leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne le feront pas, ils ne le seront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Donc on voit bien ici, André, qu'il y a deux endroits. Hein, donc euh, il y a un endroit, comme je le disais tantôt, qui est réservé aux chrétiens, donc aux croyants, c'est le sang d'Abraham. Et, euh, et puis un autre endroit qui est réservé aux impies, c'est le séjour des morts. De mort. Vous voyez? Donc... Et euh, le séjour des morts est réservé aux, aux païens. Et ici, on nous dit que le riche était en, en proie au tourment. C'est un lieu de tourment. Donc, le séjour des morts égale un lieu de tourment, ce que les Écritures nous disent. Et tellement qu'il y, y, y a la souffrance, qu'une euh, goutte d'eau n'a pas de, a une valeur inestimable. N'est-ce pas Donc le riche n'a même pas demandé un verre d'eau. Alors maintenant, nous devons comprendre que le Nouveau Testament a, a été, euh, été écrit en grec. Donc, il faut aller vérifier dans le grec le mot séjour jeu de mort. Qu'est-ce que euh, cela signifie En fait, le mot séjour jeu de mort en grec, c'est euh, Hades. N'est-ce pas Hades. Ou Hadas. Voilà. Hades ou Hadas. Voilà. Donc, c'est avec H. Donc, H, euh, tout ça, H, A, D, euh, et euh, accent aigu, et, euh, et, puis, euh, et puis S. Hades. Donc, euh, Hades donne en français séjour des morts. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le livre de Matthieu, chapitre euh, 16, le verset euh, 18, il est dit ceci Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts. Ne prévaudront point contre elle. Donc, voyez ici, le Seigneur Jésus-Christ va parler également du séjour des morts, qui ne peut rien contre l'Église. Donc, on comprend que lorsque les chrétiens meurent, ils ne vont pas dans le séjour des morts, Amen. parce que le séjour des morts ne peut rien contre les chrétiens, n'est-ce pas Donc, euh, et, euh, et puis euh, et, euh, on a compris que euh, 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 le séjour des morts vient du mot grec. Hadès et Hadès justement selon euh, le panthéon grec et, euh, euh, qui comptait plusieurs divinités donc plusieurs dieux Hadès est le dieu du monde souterrain n'est-ce pas le dieu du monde souterrain le dieu des profondeurs et euh, Hadès n'est-ce pas euh, 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 correspond au, 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 à Pluton Pluton et, euh, est un dieu d'origine romaine, parce que les Romains aussi avaient euh, leur panthéon qui euh, comptait euh, plusieurs divinités. Donc euh, Hadès est le dieu du monde souterrain chez les Grecs, et, euh, et euh, son équivalent chez les Romains, c'est le dieu Pluton. Pluton, voilà. Donc Hadès, comme je le disais, est le dieu des profondeurs de la terre. Et euh, il correspond également à, à une autre divinité, qui s'appelait euh, Orcus Orcus, donc o -R -C -U -S, O-R-C-U-S Orcus Et euh, le dieu du néant N'est-ce pas Le dieu du néant Voilà, Orcus est le dieu du néant Il est également le dieu des enfers Dans la mythologie, mythologie romaine Et, euh, et c'est euh, 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 Et le mot enfer N'est-ce pas Est synonyme de Orcus N'est-ce pas Orcus Donc ça veut dire que le mot Hades euh, donne en français séjour des morts, c'est le dieu du monde souterrain, et chez les, chez les Romains, c'était euh, Pluton ou encore Orcus. Et euh, donc le mot enfer, justement, vient, André, du, euh, du mot Hades, et précisément, de, euh, euh, il vient de, du, de, de ce, ce nom-là, donc euh, de ce dieu euh, Orcus. Voilà. Donc ça veut dire que... Le séjour des morts égale l'enfer. N'est-ce pas Le séjour des morts égale l'enfer. Donc, ça veut dire que lorsque un païen meurt, lorsque un, un pécheur meurt, il va dans le séjour des morts, c'est-à-dire en enfer. N'est-ce pas Donc, ça, en fait, le séjour des morts est un dieu. C'est un démon, en même temps. Et... On, 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 on le verra plus tard. On voit dans Apocalypse chapitre 20, euh, si tu peux nous lire, André, s'il te plaît, le verset, euh, euh, à partir du verset 11. Apocalypse 20, à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Mmh. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres. Vous voyez ici, on nous dit d'abord que alors, au jugement dernier, le séjour des morts, c'est-à-dire le dieu Hadès, c'est un démon, et la mort, c'est aussi un démon, les deux, ces deux démons retiennent les âmes, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit qu'au jugement dernier, ces deux démons vont rendre les morts, n'est-ce pas, qui le retiennent captifs. N'est-ce pas? Et continue la lecture, tu verras quelque chose de très intéressant. Alors, verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Vous voyez Et la Bible nous dit que, et la mort et le séjour des morts, les deux furent jetés, n'est-ce pas Comment Jetés la mort dans les et temps feux. de feu. Donc les deux démons vont être jetés dans les temps de feu. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 4, 14 nous dit que le dernier ennemi qui sera, euh, comment dire, vaincu. C'est-à-dire la mort, ça sera la mort, n'est-ce pas? Et euh, 1 Corinthiens 15, je crois, 26, voilà. Voilà. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Donc on voit bien que la mort et le sujet des morts seront jetés dans les temps de feu. Et ils vont rendre les morts qui sont à eux, lors du jugement dernier. Et tu verras également André dans Somme chapitre 16, le verset. Euh, 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 10, si tu peux nous le lire s'il te plaît mon frère psaume 16 verset 10 alors je lis car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption donc ici il est, une, il est question de, du messie oui. n'est-ce pas donc c'est David qui va prophétiser cela. Et Il dit que, en fait, c'est le Christ qui parle avant son incarnation. Il dit à son Père, tu ne, tu ne, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, n'est-ce pas Donc, euh, et le mot euh, séjour des morts ici, donc on a vu, hein, en, en hébreu c'est sheol, sheol qui donne en français sépulcre ou encore Monde souterrain ou encore enfer. N'est-ce pas? Donc, on voit bien que l'enfer est ouvert dès la chute de l'homme, André. En fait, dès la chute de Satan, ce démon, donc l'un des anges qui avait suivi Satan, est devenu l'enfer, le dieu du monde souterrain. C'est-à-dire, Satan, quand il a été chassé du ciel, n'est-ce pas? Si vous lisez Ésaïe 14, on nous dira qu'il va être précipité juste dans les profondeurs de la terre. Et le sujet des morts va même s'émouvoir. Comment ça se fait que tu sois descendu jusqu'ici? N'est-ce pas? Donc, lorsque Satan va être chassé du ciel, Apocalypse 12 nous dit qu'il y a des démons qui l'avaient suivi, donc les anges qui l'avaient suivi. Certains anges occupaient, n'est-ce pas, euh, la mer, étaient tombés dans la mer, dans les eaux, d'autres sur terre. Donc, et Jean voie, v, v, verra dans Apocalypse 5 qu'il y avait des créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui adoraient, n'est-ce pas? Donc, on voit bien que sous terre. Il y a un monde, un monde sous terre dans le domaine spirituel, bien sûr. Un monde, euh, comment dire, c'est le monde des esprits. Et il y a aussi en même temps le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts, où règne ce démon. Donc euh, l'esprit des morts et le dieu Hadès. Maintenant, on voit ici Jésus avant son incarnation qui dit, n'est-ce hein, pas, par David, par la bouche de David, que le Père n'allait pas permettre à ce que n'allait pas le livrer car tu ne livreras pas mon âme au... C'est jeu des morts, donc on peut dire littéralement, tu ne livreras pas mon âme au Dieu Hadès. Parce que les âmes qui mouraient, les, les, les âmes des païens, étaient livrées à ce, à ce Dieu, à ce, cette, cette divinité. Et, euh, et, et, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption, c'est-à-dire, tu ne permettras pas à ce que mon âme soit détruite. N'est-ce pas et euh, donc Jésus parlait de sa résurrection ici. Et, et qu'est-ce qui va se passer? Quand le Seigneur va mourir, il va effectivement se retrouver dans le séjour de mort pendant trois ans. Pendant trois, 3 jours. trois jours, pardon. Et euh, il se retrouve pendant trois jours dans le séjour de mort et non trois ans. Allons dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, si tu peux. André, s'il te plaît, nous lire à partir du verset 7. Vous voyez, qui a besoin d'enseignement. Éphésiens 4, à partir du verset 7. Jusqu'au verset 10. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ok, les régions inférieures de la terre. Voyez Donc, les éphésiens étaient les grecs. N'est-ce pas mmh. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc, ils connaissaient ces régions-là. On en parlait parce que les, raisons, les régions inférieures et, euh, et, sont les, le, le royaume hein, de, du dieu Hadès. Mmh. Donc, quand l'auteur, quand Paul va leur parler de, de ces régions inférieures, il savait que les Éphésiens comprenaient son langage, qu'ils comprenaient que Christ, à sa mort, il est descendu dans ces régions inférieures de la terre pour rencontrer justement les deux divinités, c'est-à-dire l'esprit de mort et le dieu Hadès. Continue. Verset 10 Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et la Bible nous dit qu'il est, il est descendu et il est monté dans les hauteurs en amenant des captifs. En fait, quand Jésus-Christ est descendu dans ces régions inférieures, c'est-à-dire en enfer, dans le séjour des morts, il est allé justement délivrer tous ceux qui étaient captifs de, euh, euh, du dieu Hadès. N'est-ce pas C'est-à-dire... Les, les, les... Il est allé libérer les captifs. C'est-à-dire il, il y a des croyants qui étaient dans le sein d'Abraham, mais c'était toujours. Ça y est, c est, c est cet endroit-là, euh, pe personne n'était monté encore au ciel. La parole le dit. Le Seigneur dit clairement que personne n'est monté au ciel, personne n'en est descendu, si ce n'est le Fils de l'homme. Même Élie, quand on dit qu'Élie était monté au ciel, il était caché quelque part par le Seigneur. Il l'a enlevé, bien sûr, il l'a caché quelque part. On dit qu'il était enlevé dans le, dans, dans le ciel, mais en fait il était caché quelque part. Seul Jésus Christ est descendu et monté au ciel. Mais quand il est descendu, il est descendu seul, lors de son incarnation, il est descendu dans les régions inférieures. Il est allé maintenant libérer les croyants qui étaient retenus par le Dieu Hadès. N'est-ce pas? Et c'est ce que l'auteur nous dit ici. Et il est monté dans les hauteurs avec eux pour qu'ils soient dans la gloire de Dieu en attendant la résurrection corporelle à la fin de temps. N'est-ce pas Donc Et ça, c'est merveilleux, ce que le maître a fait ici. Donc, c'est pourquoi la Bible dit qu'il a emmené avec lui des captifs. Et Matthieu 27 nous dira que lors de sa résurrection, plusieurs corps des saints même étaient ressuscités. Ils étaient rentrés dans la, dans la ville sainte. Tu vois Et Apocalypse 1.18 euh, nous le confirme. Apocalypse 1.18, tu peux nous le lire. Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Mm -hmm. J'étais mort mm -hmm. et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du Dieu Hadès. C'est-à-dire du, du Sheol, du séjour des morts. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Amen. André. Tu vois comment Jésus est trop fort? Alléluia. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Tu vois donc, c'est avec ces clés, André. Que le sujet de mort empêchait les croyants d'avoir la grâce de sortir. Tu vois. Donc voilà pourquoi il fallait qu'il aille les confronter, c'est-à-dire confronter ces deux démons. Quand il est mort, il est allé le voir et il leur a, mais il les a vaincus, n'est-ce pas Donc déjà sur la croix, il est descendu maintenant simplement pour récupérer ses clés. En fait, c'est des clés. Les clés représentent l'autorité. Donc, c'est les clés que Adam avait perdu. Effectivement, c'est vrai que beaucoup de gens, quand on parle de clés, ils, ils, ils voient terre à terre comme <laughs> une porte. Voilà. Non, c'est l'autorité. <laughs> okay. C'est-à-dire, et, euh, et, euh, maintenant, les croyants qui meurent en Christ ne sont plus, euh, les, 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 les croyants qui meurent sous la grâce ne sont plus retenus euh, par le Dieu par le séjour des morts, comme euh, euh, tous ces croyants d'avoir la, la grâce. Nous nous sommes maintenant délivrés et voilà pourquoi, mes amis, euh, il a dit dans Matthieu 16 que les séjours des morts, au verset 18, ne prévaudront point contre l'Église. C'est-à-dire, l'Église ne peut pas être retenue par le Dieu de la mort, euh, par le Dieu Hadès, parce que Jésus les a vaincus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci, André, justement, dans le livre de. Euh, et euh, on va lire 2 Corinthiens euh, chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous nous en partons du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 1er. Alors, 2 Corinthiens 5, partie de verset 1 Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Mm -hmm. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Mm -hmm. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné des arts de l'esprit. Tu vois Paul il dit ici que nous avons, n'est-ce pas, un domicile, hmm. mais c'est un domicile céleste, n'est-ce pas Et nous voulons vite regagner ce domicile. Et il y a un autre passage qui est très explicite. Euh, 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 nous allons lire dans Philippiens, euh, Philippiens Philippien, chapitre 1, André, si c'est possible, nous lisons à partir du verset et, euh, 21, Philippiens 1, 21 à, 20, et, euh, à 25. Philippiens 1, 21 à 25. Alors je lis verset 21, Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous, avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Tu vois, ici, Paul dit quelque chose de terrible, André. Il dit, je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Donc, Paul nous fait comprendre que lorsqu'un chrétien meurt, il ne va plus dans le séjour de mort, c'est-à-dire en enfer. Mais il va directement au ciel pour être avec le Seigneur. Son âme, son esprit. Maintenant, son corps est enterré, bien sûr. Son corps est... Le corps du chrétien mort euh, attend la résurrection corporelle, mais son esprit et son âme, les deux fusionnent et vont au ciel. Donc son âme se retrouve avec le Seigneur dans la gloire, n'est-ce pas Et Jean verra même dans Apocalypse là-bas, chapitre, euh, lisons Apocalypse chapitre euh, 14, le verset 6. Jean, Apocalypse chapitre Pardon, euh, Apocalypse, chapitre 6. Voilà, chapitre 6, il est question du cinquième sceau, verset 9. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tadras tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Tu vois ici, André, j'en des chrétiens qui sont les martyrs, notamment, mm -hmm. n'est-ce pas, sous l'autel. Donc, c'est-à-dire au ciel, tout simplement. Et, euh, et l'autel, c'est l'image de la croix, n'est-ce pas mm -hmm. Donc, euh, euh, c'est la présence de Dieu. Et il nous dit que ces chrétiens sont conscients. Donc, on voit que la vie continue après la mort. Il y a une vie après la mort. Et le Seigneur l'a dit, La a si bien dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt dans Jean 5. Et ça, c'est une belle parole d'encouragement pour ceux qui sont, mes amis, éprouvés, pour ceux qui perdent leur, leurs parents, leurs proches, n'est-ce pas Et pour ceux et celles également qui ont peur de la mort et qui sont malades, qui sont condamnés par la médecine. Si nous sommes en Christ, il y a rien, nous n'avons rien à craindre parce qu'il y a une vie après la mort. Amen. Vous voyez Et les chrétiens sont bien conscients après la mort, et même les, les inconvertis. Et regarde ce que la parole dit dans Apocalypse, c'est André, chapitre 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait écrit, Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Quelle parole d'encouragement. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Oh my God. <laughs> heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oh mes amis, mourons Amen. dans le Seigneur. C'est une belle parole. Alléluia. Oui, afin, dit l'Esprit, parce que l'Esprit, c'est la vérité, n'est-ce pas, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, Alléluia. car leurs œuvres les suivent. Frère, Dieu n'est pas ingrat pour amen. oublier notre travail. Amen, amen. André. Donc voilà pourquoi quand nous travaillons dans l'œuvre du Seigneur, nous ne devons pas nous décourager, amen. parce que nos œuvres vont nous suivre, frère. Amen. Dieu est juste, Virginie. Et ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc c'est une joie et dans Somme 116, verset 10, il est dit que elle a du prix la mort de 115, elle a du prix la mort de ceux qui euh, des enfants de Dieu, n'est-ce pas Elle a du prix la mort des enfants de Dieu. Et ça c'est quelque chose de merveilleux. Donc on voit bien que lorsque les chrétiens meurent présentement, ils vont directement dans la présence de Dieu, dans le ciel même, comme Paul l'a dit. Et les païens quand ils meurent, ils vont directement dans le séjour des morts et là-bas ils souffrent. Ce n'est pas encore euh, une punition éternelle. C'est-à-dire le lac de feu, mais c'est un endroit provisoire. Le séjour des morts ou l'enfer, c'est un endroit provisoire. Et euh, comme les chrétiens qui vont dans la présence de Dieu, c'est provisoire parce qu'ils attendent la nouvelle Jérusalem. Voilà. Donc euh, voilà. Maintenant, maintenant définissons. Nous avons défini André le séjour des morts. Nous avons défini l'enfer. L'enfer n'a rien à voir avec le lac de feu. On a vu que euh, à la fin de temps, dans Apocalypse 20. Dieu va jeter, n'est-ce pas, dans le lac de feu, la mort et le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer. Le mot séjour des morts, Hades en grec, est le dieu du monde souterrain. Hades, euh, c'est le dieu grec du monde souterrain. N'est-ce son, 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 euh, pas et, euh, Chez les Romains, c'était, euh, comment dire, euh, Pluton, et puis euh, Pluton ou Orcus et Orcus donne en français enfer. Donc l'enfer n'est pas un lieu de souffrance de tourment définitif, c'est un lieu de souffrance et de tourment provisoire. Voilà. Maintenant définissons maintenant euh, le lac de feu. Nous allons dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, nous lisons André le verset euh, 15. Apocalypse 20 euh, 14 et 15. Versets 14 et 15. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Tu vois ici, André, on nous dit que les temps de feu, c'est la seconde mort. N'est-ce pas Il y a trois types de mort. Il y a la mort spirituelle. Qui est la séparation d'avec Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont connu tout de suite après leur euh, chute. Les païens sont morts spirituellement. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, également le sont. Et, euh, et deuxièmement, il y a la mort physique. C'est la séparation de l'âme. L'âme quitte le corps. Jacques le dit. Jacques, euh, chapitre 1, chapitre 2, le dit que la, la, de même que la foi sans les œuvres est morte. Le, le corps sans l'esprit est également mort. Et la troisième et la dernière mort, c'est la seconde mort. La seconde mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est les temps de feu. Les temps de feu, est, euh, dont il est question dans Apocalypse chapitre 20. Les temps de feu, c'est également la géhenne. N'est-ce pas? La géhenne. Allons. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Et là, on voit que les temps de feu, euh, euh, on y jettera les gens dedans à la, à, au dernier jugement, au jugement dernier. Donc, euh, il n'est pas encore, comment dire, euh, opérationnel, donc les temps de feu, parce qu'il sera opérationnel lors, donc après le jugement dernier. Mais présentement, c'est l'enfer ou le séjour des morts qui est opérationnel depuis la chute, bien sûr. De, de Satan. Et voilà. Et euh, nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 22. André, s'il te plaît. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. OK. Tu vois ici, en fait, le mot, mot GN est utilisé plus de douze fois dans le Nouveau Testament. Et, euh, et, et puis, et, euh, le mot grec, Gééna, parce que la GN vient du grec Géna, Géna vient de l'hébreu. Jé-inom euh, Le jé était une vallée De Inom, n'est-ce pas mm -hmm. Et euh, c'est là Justement à l'époque des, des enfants d'Israël Et euh, des rois d'Israël Notamment Manassé, tout ça C'est à la vallée de, des fils De Inom Qu'avaient lieu dans le passé Des sacrifices humains N'est-ce pas Donc on peut lire deux chroniques euh, Chapitre 33 Le verset 6 n'est-ce pas? Donc euh, on, peut, on peut le lire. Et euh, c'est dans la vallée, n'est-ce pas, des de, de fils d'Inom de que les, les, les Israélites offraient leurs enfants au dieu Moloch, n'est-ce pas? Le dieu des Ammonites. Et c'était une grande statue dans, le, dans laquelle il y avait une fournaise et avec une bouche euh, béante, grandement ouverte. Et c'est là dedans qu'on jetait vivant les enfants. Ils brûlaient vifs, n'est-ce pas Et ces enfants étaient, n'est-ce pas, euh, comment dire, sacrifiés au dieu Moloch. Et euh, donc, si tu peux nous lire, euh, euh, comment dire, deux Chroniques euh, euh, 33. 33, 6. Alors, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Inon. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Ok, voilà, ça, ça c'est menacer. Mm -hmm. Et on nous dit qu'il a fait passer ses fils, n'est-ce pas? Donc, il a sacrifié ses enfants au dieu Moloch. Moloch ou Malcomix. Malcom, Malcom n'est-ce pas? Donc, euh, Malcom, pas Malcomix parce que Malcomix, c'est un, un noir américain. Euh, Malcom ou euh, Milcom. Ou Malcom. Et euh, c'est le dieu des Ammonites. Et c'est là, dans la vallée de fils de euh, Ben Inom, qu'on sacrifiait. N'est-ce pas des enfants Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot euh, Ben, Ben Inom, signifie, en hébreu, signifie littéralement fils de lamentation. Donc, la vallée de fils de Ben Inom était un lieu de lamentation, de souffrance. Et euh, on va lire Jérémie chapitre 7, André, le verset 31. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette vallée, le feu, le feu y brûlait continuellement hein, les immondices également. Donc euh, les charognes étaient jetées dans cette vallée, c'est-à-dire les carcasses des animaux euh, étaient jetées là-dedans, les immondices et tout ça. Donc il y avait un feu qui était là en permanence et ce feu ne s'éteignait pas, n'est-ce pas Donc euh, euh, le feu de la vallée des fils de Ben, Inom, ne s'éteignait pas et c'est là-dedans qu'on brûlait. Continuellement des enfants et uh, des immondices, des charognes, euh, des carcasses d'animaux euh, morts, tout ça. Et uh, c'était un lieu de souffre. C'était le lieu le plus souillé en Israël, tout près de Jérusalem. Le lieu le plus souillé. Et, et, et c'était un lieu affreux. C'est encore le cas aujourd'hui. Mmh. Et, uh, et c'est horrible. Et on va, on va lire Jérémie 7. Verset 31. Alors, ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Ok, tu peux t'arrêter là, merci. Vous voyez, Dieu dit par Jérémie aux enfants d'Israël qu'ils avaient, n'est-ce pas, bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben Inom, mais où l'on dira la vallée du carnage. Et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Et. Voilà, donc en fait, il y a le mot tophet ici, et euh, tophet signifie lieu pour brûler en hébreu. Tophet signifie lieu pour brûler. Donc il y avait ce feu à cet endroit qui était un feu, il y avait un feu qui était euh, permanent, qui brûlait en permanence. Et euh, donc le, le terme grec geéna vient du mot hébreu, n'est-ce pas Et euh, vient de l'hébreu. Comme on l'a vu tout à l'heure, euh, Gé Inon. Et c'est le lieu de souffre. C'est le lieu de sacrifice au dieu Moloch. Donc, on comprend que Jésus-Christ va se servir, quand il va parler du, de la Géhenne, en fait, il va se référer à ce lieu. Donc, la Géhenne est, le, est un feu éternel. Donc, c'est le lac de feu, justement. Donc le lac de feu, c'est la GN. La GN vient de, 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 de cette histoire, en fait, et tirée de cette histoire et, euh, et, euh, qu'on que, qu a lu ici. Donc, euh, et, euh, et voilà, donc le lac de feu, mes amis, ou les temps de feu dont il est question dans Apocalypse 20, n'est-ce pas, c'est la GN. Et on peut également prendre Matthieu chapitre, et, euh, Matthieu, chapitre 5. Hein. On l'a lu tout à l'heure. Oui. Et Marc chapitre 9, je crois si je me trompe. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Nous lisons euh, à partir du verset euh, euh, 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne fait un point. Tu vois On nous dit que la, gé la géhenne est un feu qui ne fait un point. Donc, c'est un feu éternel. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne se teint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Où leur verre ne meurt point, et où le feu ne se teint point. Car tout homme sera salé de feu. Vous voyez, et là c'est terrible. Tout homme sera salé de feu. N'est-ce pas? Donc, euh, et ça c'est un, une parole terrible. Donc, Jésus-Christ a dit plusieurs fois ici que la GN est un feu qui ne s'éteint point. Alors que la souffrance, euh, ou les souffrances que les, les, les païens euh, éprouvent actuellement en enfer, euh, vont prendre fin parce qu'ils vont être sortis de là pour être jugés à la fin de temps. Et de nouveau, cette fois-ci, jeté dans un lieu de tourment, mais cette fois-ci des tourments éternels, c'est-à-dire les temps de feu ou la gêne. Voilà la différence. Donc, le lac de feu, c'est un lieu qui n'est pas encore ouvert, qui n'a pas encore reçu des morts, parce qu'il il, n'est pas encore opérationnel. Mais par contre, présentement, les gens qui meurent sans Jésus vont dans le, dans le, dans, dans, dans le jeu des morts. C'est-à-dire euh, 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 dans le Hadès, précisément en enfer. Et ils souffrent terriblement, comme on l'a vu dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Et ils attendent justement le jugement, la résurrection des impies, qui aura lieu après le milan ans, pour être jugés et jetés, n'est-ce pas, et les démons, et Satan, et le diable, euh, comme Satan et l'homme impie. Donc, la bête, tous ouais. seront jetés dans les temps de feu. Comme Apocalypse, chapitre 19 le dit, l'homme impie, la bête et le faux prophète seront jetés vivants dans les temps de feu. Voilà. Donc, les impies, Satan, donc le dragon, l'homme impie, le faux prophète, ils seront tous jetés dans les temps de feu. Est-ce que, maintenant, la question que nous devons nous poser, quelqu'un peut-il visiter, Dieu peut-il faire visiter quelqu'un l'enfer, c'est-à-dire le sujet des morts Oui. oui. C'est biblique, n'est-ce pas C'est tout à fait biblique. Et, euh, et euh, donc, euh, et, euh, et deuxièmement, euh, Dieu a fait, fait grâce à certaines personnes de visiter le sujet des morts pour voir comment ces personnes souffrent, n'est-ce pas et, euh, et Dieu a fait grâce, j'ai vu cet endroit, ce n'est pas pour me glorifier loin de là, j'ai vu cet endroit. Et euh, donc, voilà, ce lieu existe présentement. Oui, il y a des gens qui ont la grâce d'aller voir, Dieu leur fait grâce d'aller voir ce qui se passe après la mort. Et euh, maintenant, une autre question. Peut-on visiter euh, le lac de feu Oui, mes amis. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, le lac de feu, comme il n'est pas encore ouvert, on ne peut pas le visiter. Ça, c'est carrément de l'immaturité. C'est bah, sous-estimer Dieu. C'est sous-estimer Dieu. Parce que d'ailleurs, comment savons-nous qu'il y a les temps de feu C'est la Bible qui nous en parle. Et si la Bible en parle, c'est parce que Jean l'a vu cet endroit là n'est-ce pas il a vu que dieu y jetait le, 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 c'est-à-dire euh, la bête n'est-ce pas on l'a vu on peut le lire dieu montre à ses enfants le futur donc le présent d'abord le passé le présent et le futur donc ce n'est pas anti-biblique si quelqu'un vous dit que dieu lui a fait visiter l'enfer le séjour des morts ou aussi, euh, ou encore, euh, comment dire, euh, ou aussi le, 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 le lac de feu. Voilà, Apocalypse chapitre 19, André, nous lisons le verset 20. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et adorer son image. Ils fut tous les deux jetés vivants dans les temps, ardents de feu et de soufre. Voilà. Jean l'a vu. Est-ce qu'on va dire que parce qu'il n'est pas encore opérationnel, euh, Dieu ne peut pas fait te faire visiter ce qui se passe Dieu. Faut, nous devons comprendre, André, que Dieu est hors du temps. Dieu est hors du temps. Parce que nous sommes dans le temps, limités par le temps et dans l'espace. Le, dans que nous avons, nous avons du mal à comprendre Dieu. Parce que il y a un soi-disant docteur de la parole qui a parlé à une radio, soi-disant chrétienne, il n'y a pas longtemps, une radio congolaise, pour dire que nous sommes, je suis un faux prophète, parce que je dis que Dieu m'a fait visiter le, le lac de feu et l'enfer. Il dit que ce n'est pas possible. Mais mon ami docteur, je crois que tu as besoin, avec beaucoup d'humilité, de l'enseignement biblique. Voilà. Il ne faut pas qu'on la face. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te dire qu'il faut relire la parole de Dieu. Et euh, Dieu a montré aux prophètes, notamment Esaïe, euh, Jérémie, euh, Zacharie, des choses qui allaient se passer, c'est-à-dire mille ans après, deux mille ans après, trois mille ans après, avec une précision inouïe. Ce Dieu n'est-il pas capable A-t-il changé n'est-il pas capable de montrer à ses enfants le futur, tout en, en, en étant en accord avec les, 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 les Saintes Écritures? Oui, ce Dieu n'a pas changé. Dieu a donné, mes amis, euh, euh, aux prophètes, aux jeunes prophètes, dans 1 roi 13, 1 roi 12, 13, le nom du roi Josias. Un siècle avant qu'il ne naisse. Dieu va donner à Esaïe le nom de Cyrus. Dans Esaïe 40, 44, à vers la fin 25, 45 également, le nom de Cyrus, un siècle avant que Cyrus, Cyrus ne naisse. Et Dieu dira que Cyrus va délivrer son peuple. N'est-ce pas? Et Dieu va donner au 8e siècle à Esaïe le nom d'Emmanuel, qui serait, n'est-ce pas, le Messie d'Israël. Huit siècles avant que Jésus ne vienne. C'est Dieu-là. Peut-on véritablement le minimiser? Mes amis, nous avons besoin. De recevoir l'éclairage. Nous avons besoin de revenir à la parole véritable pour ne pas, mes amis, faire un combat charnel contre euh, ceux qui prêchent, qui essaient de prêcher la vérité. Oui, je le réitère, Dieu m'a fait grâce de visiter le séjour de mort, c'est-à-dire l'enfer, et le lac de feu. Et la parole le confirme. Donc, ce n'est pas anti-biblique. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Et, euh, je ne sais pas s'il y a des questions encore par rapport à cela. Et. Euh, je crois que Dieu nous a fait grâce d'avoir un tout petit peu d'éclairage là-dessus. Voilà. Et le lac de feu est, une, est un lieu définitif où seront jetés Satan, tous ces démons, les faux prophètes, les pécheurs, n'est-ce pas Mais présentement, présentement, et euh, tous ceux qui meurent en Christ sont dans la gloire et tous ceux qui meurent sans Christ vont dans la le séjour de mort, c'est-à-dire un enfer. Et c'est un lieu de souffrance provisoire. C'est ce que la parole nous dit. Voilà, mes amis. Que Dieu Amen. soit béni. J'ai pris du temps pour répondre à cette question parce que c'était était important d'éclaircir euh, là-dessus et que cette vidéo soit diffusée correctement sur le net également. Euh, euh, voilà, comme ça les, les, les chrétiens auront de l'éclairage. J'ai envie de dire même que souvent ces, ces prises de position ou interrogations sont un peu à côté dans le sens, en fait ça doit révéler aux véritables enfants de Dieu que les personnes qui les posent euh, peut-être n'ont plus l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Tout à fait. Et on ne peut pas saisir ces choses si on n'a pas l'esprit de Dieu. Effectivement. Si on n'a pas en fait la lumière. Tout à fait. Donc, euh, on peut quand même tout à <laughs> pour fait ceux qui sont de Dieu voilà comprendre tout de suite regarde Jean mmh. Jean a vu euh, André dans Apocalypse 21 mmh. il a vu dans les moindres détails n'est-ce pas la nouvelle Jérusalem mmh. il a décrit dans les moindres détails la nouvelle Jérusalem mais alors que la nouvelle Jérusalem n'est pas encore mes amis euh, euh, habitée mmh. mais Jean a décrit cette ville donc Dieu peut t'amener dans le futur pour te montrer les choses qui ne sont pas encore euh, euh, comment dire, accomplies, mais dans les détails. Parce qu'il est Dieu, il est hors du temps. Pour Dieu, le passé, le présent, le futur n'existe pas. D'ailleurs, euh, 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 ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas d'auxiliaire être ni avoir. Donc, euh, il n'y a pas le futur, en fait, en, si on veut parler. Parce que Dieu est éternel, donc il est Dieu, il est hors du temps. Donc ouais. euh, les gens ne soient pas choqués s'ils si, euh, attendent que Dieu a, a, fait a fait visiter certaines personnes, l'enfer, le paradis, le lac de feu, la nouvelle Jérusalem, ouais. ou encore, euh, euh, je ne sais pas, euh, voilà, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. Voilà. Okay, bonjour apôtre, euh, j'ai une question à vous poser parce que je n'ai pas bien saisi cela dans la parole. Euh, où sera le Seigneur une fois que le, le malin sera relâché où sera Jésus-Christ une fois que le malin sera relâché après son emprisonnement de mille ans C'est cela. Mais le Seigneur sera à Jérusalem. La Bible nous dit dans Apocalypse 20 là-bas, on peut le lire hein, Apocalypse chapitre 20 et euh, et euh, verset 7. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp de saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les consuma et les dévora. Voilà. Donc le Seigneur sera dans la ville bien-aimée. Parce que c'est là qu'il va siéger. C'est là, à Jérusalem, qu'il va régner. Et d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 6, frère, euh, Matthieu chapitre euh, 5, 5, Matthieu chapitre 5. Euh, je lis le verset euh, 34-35. Euh, mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. voilà la ville bien-aimée, c'est jérusalem, c'est la ville du, du grand roi. donc jésus-christ sera à jérusalem. bien sûr. Oui. Bonsoir Apôtre. Il y a des questions sur le Skype. Bonjour, oui. Oh, bonjour, pardon. Euh, les questions, c'est Les démons souffrent-ils en enfer ou font. Euh, J'ai une question Les démons souffrent en enfer ou font souffrir les autres ou ils, ou ils ne sont même pas Ok, bonne question. Le démo... Les démons sont en enfer, bien sûr. Parce que le, le mot enf... enfer vient du, euh, du, 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 du mot grec Hades Ou encore. Euh, D'un autre terme, Orcus, n'est-ce pas? Donc, euh, c'est euh, le séjour ce de mort. Donc, c'est un démon. Donc, euh, et il faut comprendre également que la mort aussi est un démon. N'est-ce pas? La mort à la base est un démon. Ça, il ne faut pas, faut pas que les gens l'oublient. Voilà. Donc, euh, et, euh, et euh, donc, ce qui fait que, un euh, en enfer, oui, il y a les démons, bien sûr qui règne parce qu'ils sont jetés ils sont sous, le, sous dans le monde souterrain et euh, bien sûr tout à fait et les démons en enfer souffrent-ils mais les démons de toute façon qu'ils soient sur terre ou, ou dans les airs ils souffrent même Satan lui-même parce qu'ils n'ont pas la paix ils, ils n'ont pas la paix en fait le, le, Dieu c'est la paix Dieu c'est la lumière Satan c'est la haine Satan c'est les ténèbres et euh, c'est le trouble et il euh, n'y a pas la paix donc ils ne sont pas heureux bien sûr ils, ils souffrent tout à fait oui Comment savoir qu'un mort peut ressusciter ou que la volonté de Dieu est de le laisser mourir Et comment être sûr que nous pouvons dire Lève-toi à un mort Question de Vanessa Dobagne. Ok. Comment être par rapport à la résurrection des morts Alors, il faut comprendre que et, euh, le Seigneur est capable, effectivement, de ressusciter les morts. Et, euh, mais, il faut, euh, il faut avoir le discernement. Hein? Il faut avoir le discernement. Et euh, Dieu peut libérer. Quelqu'un d'entre les morts, on l'a vu, on l'a expérimenté et euh, on le voit dans la parole. Mais il faut le discernement, il faut être à l'écoute de, de l'Esprit de Dieu. Et, euh, et euh, de toute façon, il faut toujours tenter. Hein. Si tu reçois une pensée pour prier pour un mort, ben, il, faut, il faut tenter parce que celui qui ne tente rien n'a rien. Hein? Donc, euh, et comment savoir que c'est Dieu qui a parlé ben, C'est justement en fonction des résultats Voilà, qu'on saura si c'est Dieu qui avait parlé ou pas. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Question de, question de Dia. La parole dit que la nouvelle Jérusalem est notre mère. Je ne comprends pas très bien. Pourrais-je avoir une explication, merci. Effectivement, nous sommes dans le livre de Galates, Galates chapitre 4 et euh, nous lisons le verset euh, et euh, 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un autre de la femme libre. « Mais celui de l'esclave de naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. »« Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. »« L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en, en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. »« Mais la Jérusalem d'Ao est libre, c'est notre mère. » Voilà. Donc, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate épouse de cris de joie, hein, de cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Voilà. Et euh, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes de, pour vous, frères, vous, vous êtes comme Isaac, des enfants de la promesse. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Abraham avait deux femmes, et euh, Agar et n'est-ce pas, Sarah Et en fait, Sarah est l'image de la nouvelle Jérusalem. Abraham est notre Père, le Père de la foi, nous dit la parole. Et sa femme, qui est Sarah, est notre mère. Donc Dieu est le Dieu de l'équilibre, n'est-ce pas Il nous donne l'amour du Père et en même temps, il nous donne aussi l'amour de la mère, n'est-ce pas Donc pour que nous soyons équilibrés, n'est-ce pas donc, euh, la nouvelle, nouvelle Jérusalem est à la fois l'épouse de Jésus-Christ, selon Apocalypse 21, le tabernacle de Dieu, et en même temps aussi, n'est-ce pas, la, 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 la mère de chrétiens. Donc, euh, Dieu nous donne à la fois l'amour le, 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 du Père et l'amour de la mère pour que nous soyons équilibrés. Voilà. Donc, ce n'est pas anti-biblique, c'est tout à fait normal. Et ça, c'est une grâce pour nous. Il y a une autre question euh, le frère Landry voudrait savoir si les nouveaux cieux, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem sont trois choses différentes. Ok, bonne question. Et euh, puis je vis une nouvelle, une, une nouvelle terre, un, 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 un nouveau ciel. Et euh, est-ce que euh, les cieux, la, les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont-ils différents euh, de la? Est-ce que c'est deux choses différentes avec? Euh, la, 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 la Nouvelle Jérusalem. Voilà. Et euh, en fait, et euh, tout ça, là, c'est la même chose. D'accord Et la Bible nous dit que nous allons habiter euh, sur une nouvelle, dans une nouvelle terre et, euh, et, euh, où la paix va y régner euh, éternellement. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, la Nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. N'est-ce pas C'est le ciel. Prenons Hébreu, pour répondre avec la parole, bien sûr. Hébreu, chapitre euh, euh, 9. Nous lisons le verset 11 et 12, André s'est te plaît. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a renversé le tabernacle plus grand et plus parfait, il qui... a traversé. Oui, il a traversé il a traversé, pardon, le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est à dire qu'il n'est pas de cette création Et il est entré une fois pour toutes Dans le lieu très saint Non avec le sang des boucs et des veaux Mais avec son propre sang Ayant obtenu une rédemption éternelle Vous voyez on nous dit que Christ a traversé Le tabernacle plus grand et plus parfait Qui n'est pas construit de main d'homme C'est à dire il n'est pas de cette création Et ce tabernacle là D'après Apocalypse 21 C'est la nouvelle Jérusalem D'accord et on nous dit que et euh, au verset 20, euh, 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc on nous dit que ce tabernacle est le ciel même. Donc vous voyez que la Nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. N'est-ce pas Donc c'est carrément le ciel qui va... C'est vrai qu'on dit que cette nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. En même temps, on est un peu conf 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 confus. Et on se dit, mais attends, mais c'est quoi cette affaire-là En fait, la nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. C'est là, là où il y a la Shekinah, là où il y a la gloire. N'est-ce pas Donc, c'est la cité de Dieu. Nous lisons Hébreux chapitre euh, euh, 11, verset 10. Hébreux 11, verset 10. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est architecte et le constructeur. Donc vous voyez, la Nouvelle Jérusalem, ou le tabernacle céleste, est appelé la cité, n'est-ce pas, donc euh, euh, de Dieu. Et euh, Abraham l'avait vu, parce qu'il a vu Melchisedec, n'est-ce pas, le roi de Salem, donc le roi de la Nouvelle Jérusalem. Et il a vu cette cité, voilà pourquoi Abraham ne s'occupait plus des affaires de ce monde. Il aimait plus le ciel que, que la terre. Et dans Hébreu chapitre 12, lisons le verset 18 Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qu'il entendit demandaient qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car. Il ne supportait pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit :« Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approché de, de, de la montagne de Sion. de la cité du Dieu vivant. La, la, la même chose. C'est la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Mm -hmm de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez, donc la nouvelle Jérusalem est appelée aussi Sion, n'est-ce pas Il y avait deux Sions, donc euh, Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. Amen. Donc c'est le ciel même. Amen. Voilà. Ouais. Il y a d'autres questions. Donc quel but ceux qui avaient été incrédules et qui étaient en prison ont-ils entendu prêcher Jésus selon 1 Pierre 3 verset 20 Ok, nous lisons 1 Pierre chapitre et, euh, 3 le verset 20 et 1 euh, Pierre chapitre 3 verset 20. Je vois que ces enseignements oui. euh, encouragent beaucoup de personnes. Amen c'est beaucoup, beaucoup de points qui sont quand même qui étaient mm -hmm. sombres. Hein. Amen. Et euh, voilà, 1 Pierre 3, 20. Et euh, nous allons lire à partir du verset 18 pour la bonne compréhension. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'âge, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Donc vous voyez ici, c'est une précision que la Bible nous donne, euh, supplémentaire, mm -hmm. qui nous montre que le, quand Christ est mort, il est allé en esprit, bien sûr. Hein, mm -hmm. Sa chair était dans la tombe, hein, donc. mais dans l'esprit, il est allé, en esprit, il est allé dans le séjour des morts l'auteur ici, donc notamment Pierre, appelle la prison. Donc c'est n'est-ce pas Il est allé pour faire quoi Il est allé aussi pour rappeler aux hommes incrédules, aux hommes et aux femmes incrédules de l'époque, n'est-ce pas, de Noé, parce qu'ils avaient refusé d'écouter ce prédicateur de la justice. Il est allé là-bas pour leur rappeler leur condamnation, n'est-ce pas Tout simplement. Il n'est pas parti là-bas pour prêcher l'évangile afin qu'il soit sauvé. Parce que la parole nous dit dans Hébreu 9, 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Donc, quelqu'un qui meurt dans le péché, il est déjà jugé et condamné. N'est-ce pas Donc, voilà pourquoi la parole nous demande de recevoir le Seigneur avant notre mort, de nous sanctifier avant la mort. Et là, il n'est pas parti pour, pour prêcher la repentance. Pour amener encore ces gens à la raison. Mmh. Alors, il y en a qui vont dire, mais oui, mais a 1 Pierre 4, 6, il est dit que car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme des hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Oui, mais la mort dont il est question ici, c'est la, la mort spirituelle. spirituelle tout à fait. Voilà. Tout à fait. <laughs> nous étions tous morts spirituellement, mmh. et, euh, et le Seigneur nous a sauvés, et Paul le confirme dans Ephésiens, chapitre 2. Merci, Saint-Esprit. Nous l'aimons beaucoup parce que c'est lui qui me donne tous ces versets. Et. Euh, voilà, verset 1 André, si tu peux nous le lire. Éphésiens 2, 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, mmh. à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce par, la bonté en, par sa bonté. Envers nous en Jésus-Christ. C'est bon. Amen. Tu vois, nous qui étions morts par nos offenses, Paul le répète à deux mmh. reprises hein. vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, les mo les mo la mort dont il est question dans 1 Pierre 4 là-bas, c'est la mort spirituelle oui, par rapport au péché, à cause du péché. Mmh. Voilà. Donc, euh, mes amis, euh, voilà la parole. Je pense que c'est clair pour les clair. uns et les <laughs> autres. Voilà. Nous avons besoin d'enseignement <laughs> nous avons besoin de nous enraciner dans la parole. Et euh, vous savez que beaucoup des combats que nous avons, euh, avons c'est parce que nous prêchons euh, cette parole, ces vérités, que ça dérange, ça ne plaît pas. Et, euh, et beaucoup comprennent mal les choses et ils vont combattre, 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 il, euh, charnellement. Et euh, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. N'est-ce pas? Donc il y a les esprits derrière, les hommes qui, euh, certains, certains hommes, et veulent les maintenir dans l'ignorance. Oui. Notre question, la Bible dit que le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Devons-nous donc comprendre que les tourments de l'enfer ne seront pas les mêmes pour tous Bien évidemment, euh, tout à fait, parce que d'ailleurs, Apocalypse chapitre 20, André, on va le lire encore. Et euh, Apocalypse chapitre 20, nous lisons le verset, euh, euh, à partir de verset 11. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les morts seront jugés leur, selon leurs œuvres. Dieu est juste. De même que au ciel, et euh, 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 les, les, les croyants qui persévèrent auront ceux qui sont justes, fidèles, ceux qui sont. Comment dire, euh, ceux qui auront travaillé correctement seront plus récompensés que d'autres. Et euh, la parole de 1 Corinthiens 3. Hein, donc, il euh, y en a qui vont avoir des couronnes, d'autres pas. Parce que, en fonction des œuvres qu'ils auraient accomplies. C'est-à-dire, ce que Dieu exige, ce n'est pas que nous fassions des grandes œuvres. Ce que Dieu exige, c'est la fidélité dans les choses pour lesquelles il nous a appelés. Maintenant, euh, si tu as confié, on voit la parabole, n'est-ce pas, de, 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 de talent dans Matthieu 25. Et. Euh, dans Luc là-bas également. C'est-à-dire Dieu te confie deux, euh, par exemple 10 talents si tu les fructifies, hein, tu les fructifies et euh, pour en gagner 20, eh ben, tu seras récompensé. Mais celui qui va, n'est-ce pas, en fructifier seulement, euh, qui va en avoir 5 de plus au lieu de 10, eh ben, sera moins récompensé que celui qui aura été plus fidèle, n'est-ce Ce, Ce qui est juste. Et euh, donc là, il est question, il n'est pas question du péché, il est question plus de la manière dont on aura géré, dont on aura travaillé, euh, fructifier les dons, les grâces. Maintenant, euh, de même qu'on sera récompensé au ciel en fonction de notre euh, fidélité euh, euh, au travail que Dieu nous a confié, les impies, n'est-ce pas, seront aussi jugés en fonction de la gravité de leurs fautes. Voilà, en enfer. Donc, ils vont tous souffrir en enfer. Ils souffrent tous en enfer. Tout comme ils vont souffrir tous dans le lac de feu. Mais toutefois, il y en a qui seront plus, plus punis que d'autres. Parce que Dieu, et sa justice est telle qu'elle va être même appliquée dans le lac de feu et ça c'est c'est incroyable voilà